Salut, avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que j'ai un Discord, le lien est dans la description. Et la deuxième, je fais des lives de façon régulière, les vendredis et samedis de 18h à 21h, mais également parfois de minuit à 3h du matin. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, bienvenue pour une nouvelle allocation sur Fire Emblem Heroes. Oui les amis, alors avant toute chose, ouais je m'en doutais, j'avais ça. Bon, c'est de la merde, hein. Je pense que c'était énorme, on sait jamais. Donc les amis, nouvelle invocation, aujourd'hui nous allons invoquer sur un nouveau duo. Et oui, encore une fois, un double duo. Bah là, voilà, la dernière fois, rappelez-vous, nous avions invoqué sur le duo qui est encore là, je crois. Oui, voilà, le duo Yuki 2. Non, j'ai rien dit, les amis. De Mia et Marf. Elle s'appelle Marf, du coup. Enfin, elle se fait appeler Marf. Et là, on va tenter le nouveau duo, donc Bilas et. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais avant toute chose, les amis, je voulais vous dire que. Sans payer. Le duo a fini dans la box, les amis. Oui, j'ai réussi à l'avoir quand même. Mais j'ai galéré, hein. Je vous cache pas que j'ai mis des milliards d'orbes. Donc là, les amis, du coup, ce qu'on va faire, c'est que si je ne l'ai pas. Bah de toute façon même si je l'ai hein, ce qu'on va faire c'est que là je vais vous proposer une vidéo invoque et je pense que le prochain sera en live sur Fire Emblem. Je pense que la tourmente on essaiera de la farmer ensemble. Et du coup voilà, du coup bah je croise les doigts pour essayer d'avoir cette Bilas avec je ne sais plus qui, on va voir avant de créer un malaise. Donc c'est Bilas duo astral avec Rhea. C'est Bilas et Rhea, c'est vrai, d'accord. C'est la fameuse archevêque de l'église, ouais. Assez stylé, donc c'est un rouge hein. Donc on doit tenter du rouge les amis. Allez, c'est parti. Croisons les doigts. Ah oh, bah déjà 0 rouge, ça commence bien. Ah bah alors là. Waouh. Merci la single gratuite hein. Merci la single gratuite. Bon bah ça c'est fait. Non et mental c'était pour l'autre. Mais ok. Bon bah ça c'est fait. En deuxième on tentera bleu ou non et mental. Allez, rouge, s'il te plaît. Ah bah voilà. Là c'est pas mal. Là on parle. Allez, le duo, ça c'est incroyable. Le duo maintenant. Oh putain, j'y ai cru. Célif, ah le pauvre, hein. Le pauvre Célif que malheureusement je n'ai pas pu invoque dessus. Enfin, j'aurais fait qu'une single gratuite et j'aurais eu Sotis, donc bon. Que j'ai déjà eu Sotis, mais voilà. Ah, du coup ça fait un plus 1 pour Sotis. Mais du coup voilà, ça reste pas ouf effectivement. Hein. Ça reste pas ouf. Allez s'il te plaît, le duo. Rhea et Bilas. Allez, s'il te plaît, le duo. Oh, le duo maintenant. Mais t'es qui, toi? Putain, le gardien de Tiki, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais casse-toi. S'il te plaît. S'il te plaît, le duo. Le duo. Oh, oui. Oh, putain, oui, oui. C'est le premier duo que je rappe avec vous, les amis. Oui. Oui, je suis trop content. Un maximum de gemmes, les amis. Un maximum de gemmes, s'il vous plaît. Le duo astral, oh là 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 là, il est tombé. Donc nous avons PV- et résistance plus. Duo astral, Bilas. Ouais, c'est pas... C'est toujours... Il y a toujours un perso principal et un sub. Malheureusement, c'est pas Bilas et Rhea, tu vois. C'est toujours Bilas. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne, donc, confrère Adrénaline? Honnêtement, Adrénaline, j'en ai aucune idée de ce que c'est, les amis. Si vous le savez, un fan de Fire Emblem, dites-le moi, n'hésitez pas. À une unité ou aux alliés à deux cases ou moins. Tous les trois tours, la double aptitude de nouveau disponible. Oh là là, trop content. Oui. J'ai oublié de faire une screen en plus. Alors attendez. Ah mince. Du coup, on peut faire que la screen comme ça. Bah écoute, tant pis. Hein. Voilà. Ah merde, j'ai appuyé trop vite. En fait, j'ai pas voulu appuyer en fait. J'ai lâché mon tel parce que j'y croyais pas. Et malheureusement ça skip. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. Ah mais attendez, c'est vrai, attendez. Il y a un truc, c'est vrai, pour ça. Il y a un truc, c'est un petit cadeau que je vous donne hein, si vous ne le savez pas. Non, c'est pas ça. Non. Bah libérer des héros, ouais, c'est ce qu'on va faire, ouais. On va libérer du héros effectivement. On va juste libérer ça, on s'en fout du reste. Mais ouais, il y a un truc que je voulais vous faire voir, c'était où? C'était dans... Non, c'est pas là. Interagir. Ah voilà, livre des héros. Normalement, si on va là, alors le tout là, c'est de la retrouver, mais si on va là... Si normalement on va là... Alors par contre, où est-ce qu'elle est? Ah bah elle est là. Si on va là, là, invoquer. Voilà. Ah mince, y a pas... Ah, il n'y a pas l'étoile. Bon, bah c'est pas grave. Il n'y a pas l'étoile, mais au moins il y a le dialogue.
Il y a le dialogue. Donc qu'est-ce que ça dit? Je suis Réa, l'archevêque de l'église Séros, Bilas et moi-même souhaitons profiter de la plage. Ok. D'ailleurs c'est Bilas fille. Hein. C'est Bilas fille, hein, bien sûr, les waifus font vendre. Les waifus font vendre. Bah du coup très content les amis. Ah du coup limite un bémol parce que putain les amis on aurait pu tenter on aurait pu tenter Alpha Mosso c'est l'if. Là pour conclure, donc la vidéo est extrêmement courte. Ah 5 minutes ça va, j'ai réussi à bien meubler. J'ai réussi à bien meubler parce que je vous cache pas qu'une vidéo de 2 minutes j'aurais été bon. Très bien. Ah trop content. Non vraiment trop content les amis. Putain là Bilas qui tombe. Et ben du coup incroyable. Incroyable, bah putain, après avoir galéré à mort pour celle-ci, hein, Mia et Marf, hein, j'avais galéré à mort. Là, Bilas, je la drop nickel. Bah écoutez, écoutez, honnêtement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je suis très content. Hein. N'hésitez pas à me dire vos drops. Hein. N'hésitez pas également à mettre un tonnerre de GG. Hein. Je sais que vous le mettez dans les invocations. Et ça fait plaisir. Hein. Vous êtes de plus en plus à réagir dans les invocations. Et ça, ça fait plaisir, les amis. Donc n'hésitez pas. Alors je cherche BS. Ah, elle est là, putain. Elle est là. Donc on va lui mettre un petit cœur. Je crois que c'est le 2, il me semble, que j'ai mis pour les duos. Et bon, on va faire ça, les amis. Et oui, on va se faire plaisir. Ah là là, trop content. Trop content. Donc Bilas mage, hein, je vous dirai ce qu'elle vaut, si elle est bien ou pas. J'ai bien espoir que cette puissance sera mise au service du bien commun. Très bien, très bien, très bien. Parce que là du coup, ouais voilà, je les ai tous mis en orange, donc voilà, ça fait un nouveau duo en plus, c'est cool. C'est cool, ah oui, juste, je voulais voir, bah tant que je vous ai sous la main les amis, et que la vidéo comme ça ne sera pas un peu trop courte, je vous conseille d'aller voir, si vous vous demandez, si vous vous demandez et vous connaissez pas, de taper sur Google Tier List Fire Emblem et d'aller sur le site GamePress. Grâce à ça, vous allez sur le site GamePress qui est le troisième résultat. Et grâce à ce site, les amis, grâce à ce site... Ah bah tiens, d'ailleurs, attendez, je pourrais peut-être... ah, je sais pas si j'ai une page. Attendez. Ah, ça lag. J'aurais peut-être pas dû. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors juste... ah... ah, ah oui, ah attends, je sais ça. Alors attends, si on fait l'inverse, ah non, bah non, ça ne marche pas. Non, 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 mais du coup, c'est bel et bien ça. Alors attendez, voilà, si je fais ça, voilà, vous allez sur GamePress. Vous allez sur GamePress, et là, vous avez les persos, leurs stats. Vous avez les stats des persos qu'il faut, en fait, c'est pas du tout une promo hein, que vous dites, hein, mais je pense, mais c'est pour vous. Vraiment c'est pour vous. Parce que moi je me sers beaucoup de ce site. En gros c'est un site qui permet de, bah, de voir les persos en gros. Et les gens répertorient en disant bah quel stat est le mieux pour le perso. Malheureusement ouais Bilas trop récent, il vient de sortir à peine. Alors où je tourne, il vient juste de sortir. Donc c'est vrai que c'était un peu con de ma part de voir si les gens allaient le marquer. Mais du coup en gros les gens vont le marquer plus tard. Si vous voulez on tente. Bah attendez, le duo il est où? Ah voilà, Mia harmonisé. On va tenter notre ancien duo, tiens. Notre ancien duo, comme vous pouvez le voir, l'ancien duo, en gros, ce qu'il faut, c'est attaque ou vitesse. Hein, parce que vous pouvez avoir qu'un plus et qu'un moins. Ou, si vous avez bah, une chance dans le mauvais sens, hein, parce que c'est pas vraiment une chance, vous pouvez avoir que du neutre. Mais sinon, voilà. Sinon, en gros, vous avez un plus ou un moins. Et du coup, là, ce qu'il faut pour Mia, pour le duo, hein, Mia et Marf, ce qu'il faut, c'est avoir en bonus attaque ou vitesse et en défense, et en malus, défense ou résistance. Par chance, moi, c'est vrai que vous devez vous demander, mais moi, les amis, par chance... Alors, attendez, on va revenir sur le truc Fire Emblem, hein. On va revenir sur le truc Fire Emblem. Moi, justement, les amis, par chance, j'ai eu vitesse et défense. Donc, en gros, ça veut dire que, bah, j'ai l'une des meilleures Mia du jeu. Vraiment. Vraiment. En comptant hors doublon, bien sûr, hein. Hors doublon, j'ai l'une des meilleures Mia du jeu parce que vitesse plus et défense moins, c'est exactement ce qu'il faut. Pour Bilas, malheureusement, on ne peut pas le savoir, les amis. On verra ça plus tard, hein. Mais du coup, voilà. Bah, du coup, très content, les amis. Bah, très content. Incroyable. Première fois, enfin, que je drop un duo avec vous. J'ai droppé nickel. Pff, incroyable. En vrai, c'est l'un des duos que j'ai droppé le plus facilement. Vraiment, pour être honnête, c'est peut-être même le duo que je drop le plus facilement. Vraiment.
Mais du coup, alors, on s'arrête ici. Merci à RD, les amis. Cette vidéo, désolé, je l'ai un peu laissé fait traîner. Mais bon, c'est vraiment pour vous informer sur le site Fire Emblem. Parce qu'il est vraiment cool, ce site. Il y a des gens qui se démènent pour l'alimenter et pour mettre les stats. Et je trouve qu'ils font vraiment du super boulot. Je m'en sers déjà depuis un très long moment, depuis que je joue au jeu. Et m'ont toujours bien aidé à m'orienter un petit peu sur quelle unité c'est sympa et tout, tu vois. Donc, je vous conseille d'aller voir. Et du coup, voilà. Du coup, les amis, je vous souhaite très bonne soirée, hein. Et je vous donne rendez-vous pour les prochains lives, pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas encore une fois à commenter et à mettre un j'aime. Et également, si vous êtes nouveau, si vous regardez, vous êtes viewer de l'ombre, n'hésitez pas à aller rejoindre le Discord. Ça ferait super plaisir. Les amis, à très vite. Bye tout le monde!